Au cours du Moyen Âge, période de sombre brutalité et de violence spectaculaire, est apparu un ensemble de mélodies si pures et si universelles qu'elles existent encore aujourd'hui. Il y a quelque 1200 ans, un mélange d'influences païennes, juives, grecques et romaines donnait naissance au chant grégorien, devenu la musique officielle de l'Église catholique romaine. Les manuscrits occupent des pans et des pans de bibliothèques. Le chant grégorien a connu de nombreuses modifications au fil du temps, mais les mélodies originales, simples et sacrées, ont survécu et constituent la base de la musique rituelle de l'Église latine. Le récent succès mondial de l'enregistrement fait par les moines bénédictins de Santo Domingo de Silos illustre le regain d'intérêt non seulement au sein de l'Église, mais également dans le monde séculier pour les chants grégoriens. Ce son enchanteur et mystique semble porteur d'une transcendance qui va bien au-delà de la signification du texte sacré. De nombreuses maisons de disques ont participé à la résurrection de ces mélodies médiévales, ce qui permet aux chants grégoriens de retentir également dans les foyers et plus seulement dans les églises. Le Moyen Âge est souvent perçu comme une période de cruauté, de famine, de persécutions et de peste. Mais il fut également le berceau de la culture occidentale. Il commence avec la conversion au christianisme de l'Empire romain en 312 et se termine avec la chute de Constantinople en 1453. Le Moyen Âge étant la période la plus longue de notre histoire, vous pouvez facilement imaginer sa diversité. L'héritage le plus étonnant est cette pureté du chant grégorien qui reste intacte depuis ses débuts officiels aux environs de 590. Pour mieux le comprendre, penchons-nous plus en détail sur la vie au Moyen Âge. La mort et les carnages étaient monnaie courante en Europe médiévale, et ce, sous toutes les formes possibles. Les simples maladies, les catastrophes naturelles, les guerres à répétition et les innombrables épidémies de peste. La mort pouvait vous surprendre chez vous ou au cours d'un voyage. Les difformités, la folie et les amputations étaient légion. Le tintement d'une clochette dans la rue pouvait signifier deux choses. L'approche d'un handicapé, et il fallait préparer sa monnaie pour faire acte de charité, ou la présence d'un lépreux, et il fallait alors s'écarter. La mort, en tant que réalité, était une préoccupation constante, comme le montre sa représentation dans les tableaux, les vitraux et les sculptures de l'époque. La vie après la mort pouvait prendre la forme d'une béatitude paradisiaque ou des tourments de l'enfer. Les gens dépensaient beaucoup d'énergie pour s'assurer une vie après la mort confortable et paisible. La structure du pouvoir et le système des classes reposaient sur des distinctions rigides. La plupart des gens étaient des paysans, ou à peine mieux que des esclaves. Il existait une hiérarchie sociale très marquée, le paysan, le vassal, le seigneur local et le roi, parallèlement aux allégeances propres à l'Église. À un moment donné, les évêques étaient même plus puissants que les dirigeants séculiers, et il a été versé plus de sang au nom de l'Église qu'au nom de la cupidité. La vie religieuse et la vie ordinaire étaient intimement liées. Tout était sujet à la bénédiction, des enfants aux animaux en passant par les duels. Guerre,
temps, récolte, chevalerie et mariage étaient la volonté de Dieu, l'Église et l'État n'étaient qu'un seul et même pouvoir. Les membres du clergé pouvaient être aussi corrompus que les politiciens d'aujourd'hui. La justice était rendue suite à des combats ou des supplices. Une personne pouvait être amenée à saisir une barre de métal chauffée à blanc ou à être jetée dans un étang attaché à une chaise pour prouver son innocence. L'intervention divine décidait ensuite de sa culpabilité ou de son innocence. L'Inquisition espagnole est tristement célèbre pour son habileté à soutirer des confessions par la torture. Les peines étaient sévères, amende, flagellation ou même exécution. Perdre une main constituait également une forme de justice et de châtiment. On la recouvrait de miel pour la donner en pâture aux insectes ou on l'attachait dans un sac contenant également un chien, un coq, un serpent ou un singe, tout en jetant la personne dans la rivière. Beaucoup de femmes accusées de sorcellerie furent brûlées sur le bûcher. Cependant, dans ce contexte de violence et de mort, s'épanouissaient des domaines tels que la littérature, la philosophie, la culture et l'architecture. Les personnes éduquées avaient une connaissance étendue et variée et passaient leur vie à se perfectionner. Les livres avaient une très grande valeur car le parchemin était cher et la copie à la main de 2 ou 3 pages pouvait prendre toute une journée. Certaines de nos institutions modernes remontent au Moyen-Âge, comme le système universitaire, les procédures parlementaires et le procès avec jury. De nombreux progrès technologiques ont facilité les changements sociaux et sont à la base des divers systèmes économiques. Le fer à cheval, le collier de harnais rembourré et la brouette datent de cette époque, par exemple. L'invention de l'étrier a changé les habitudes de guerre, car la cavalerie lourdement armée pouvait désormais facilement vaincre des fantassins. Et c'est ainsi que naquit le prestige du guerrier, du chevalier et des légendes médiévales. Les innovations telles que le rouet et l'horloge mécanique au XIIe siècle, les cargos, les cartes, la boussole, les moulins à vent et les lunettes au XIIIe, et enfin les arcs en acier, le blindage et la poudre au XIVe siècle, changèrent irréversiblement la manière de vivre. Mais plus encore que ces inventions utiles, ce sont les merveilles architecturales qui nous causent le plus grand étonnement. En particulier, certaines cathédrales et leurs immenses plafonds voûtés, leurs magnifiques vitraux et leurs incroyables sculptures. Et bien sûr, la musique, et plus particulièrement le chant grégorien ou plein chant. Les racines du chant grégorien sont antérieures au christianisme. Les mélodies et la structure sont le résultat d'un amalgame de styles de chants païens, juifs, grecs et romains, utilisé jusqu'en 590, que l'Église a récupéré pour ses chants rituels. Le chant grégorien existe depuis les origines de l'Église. La synagogue utilisait déjà une forme de chant grégorien. Dans l'Ancien Testament, et saint Paul précise même qu'il était un pharisien converti au judaïsme, il est dit qu'on chantait des chants et des cantiques. Il y avait toujours une lecture des Saintes Écritures, quelques commentaires sur leur signification, puis des chants. Et l'Église a réutilisé cette forme de culte. N'oubliez pas que les premiers convertis étaient juifs. Avec l'essor du christianisme, les juifs se sont dispersés, ils étaient déjà convertis, ou bien c'était les apôtres qui partaient. Paul particulièrement était un grand voyageur. Les musiques de différents pays furent intégrées dans le culte.
Le chant grégorien n'avait d'unique que son caractère de musique sacrée. C'était un style de musique ordinaire utilisé pour accompagner des textes sacrés. Nous avons perdu le lien avec la musique séculaire qui a continué une évolution propre. Par exemple, la plupart des miracles étaient accompagnés par une musique chantée qui était la musique à la mode. C'était un moyen d'instruire les gens illettrés. Le terme « grégorien » vient de ce que l'on a longtemps attribué la composition de ces mélodies sacrées au pape Grégoire Ier, dont le rôle a en fait consisté à les rassembler, les arranger et les codifier. L'introïte, l'offertoire et la communion, les chants les plus importants de la messe par exemple, n'ont été écrits que des années après sa mort. L'histoire du chant grégorien se divise en quatre périodes. Une période de formation entre le début de l'Église et environ 590 après Jésus-Christ. Il s'est développé plus particulièrement après la fin des persécutions contre les chrétiens en 313. Ils avaient acquis la liberté. En 590 environ, Grégoire Ier fut élu pape après avoir été moine puis abbé. Il a donné son nom au chant grégorien, bien qu'il soit fort improbable qu'il ait composé quoi que ce soit. Mais il a organisé des mélodies qui existaient déjà, il les a rassemblées dans des livres pour qu'elles soient facilement accessibles, et a aussi attribué des textes et des mélodies aux divers actes du culte. Il a en fait organisé tout un ensemble de musique qui existait depuis des siècles. Et il a aussi créé des écoles de chant. Avec la diffusion du christianisme dans toute l'Europe, les chants utilisés au cours des cérémonies variaient d'une région à l'autre. En 596, le pape Grégoire envoya l'abbé bénédictin Augustin, accompagné de 40 moines romains, en Angleterre pour convertir les anglo-saxons. Ils traversèrent les Alpes et la France et eurent l'occasion, au cours de ce voyage, d'assister à des services bien différents de ceux auxquels ils étaient habitués à Rome. Cette découverte leur ouvrit de nouvelles perspectives, et lorsqu'ils s'installèrent en Angleterre, Augustin envoya un messager demandant au pape quelle forme de musique et de prière liturgique il devait utiliser, la romaine ou la gauloise. Le pape lui donna la permission d'utiliser les prières et la musique que préféraient les fidèles et susceptibles de plaire à Dieu. Chaque école possède sa propre originalité. Vous avez l'école romaine, sous le règne de Pépin puis de son fils Charlemagne. Ils ont pensé qu'adopter ce type de musique pour le culte pouvait unifier l'Empire. Ils ont donc encouragé Pierre, qui était diacre et connaissait parfaitement le grégorien, à généraliser son utilisation. Ils
Ils l'ont fait venir en France, puis voyager pour apprendre le chant grégorien aux gens. Puis les manuscrits apparurent avec du texte et des gribouillis. Il y a donc une école romaine et une école gallicane ou française. Il y a également l'école ambrosienne, antérieure à l'école romaine. La forme du chant diffère du chant romain. Elle est influencée par les Arabes qui envahirent le sud de l'Espagne. Le chant grégorien se caractérise par l'absence de rythme. Il semble flotter dans l'air sans effort et n'est interrompu par aucune pause. Il transporte les gens dans un autre monde. Quand on écoute le chant grégorien, on ressent quelque chose de fort, même si on ne comprend pas ce qui est dit. Le son de la musique suffit à nous transcender au-delà des mots, à un niveau plus élevé, spirituel. La musique du chant grégorien comprend des accents aigus caractéristiques, légers et courts et pourtant forts. Ils apportent ce côté aérien qui fait que les pensées et les sentiments sont plus proches du surnaturel que du monde terrestre. Il existe essentiellement deux types de mélodies pour les pleins chants, la syllabique et la mélismatique. Le chant syllabique est un type de chant simple dans lequel, à chaque syllabe, correspond une seule note, parfois plusieurs à certains endroits. Dans le chant mélismatique, certaines syllabes sont chantées sur plusieurs notes. Les premiers chœurs devaient chanter de mémoire, car il n'existait pas vraiment de forme de notation musicale, du moins pas telle que nous l'entendons aujourd'hui. Au début, elle était aussi simple que l'étaient les chants, mais avec le temps, les moines, forts de leur énergie créative, commencèrent à utiliser différents symboles. L'histoire de la notation commence à cette époque, quand les chants ont été écrits. Au début, ils n'ont indiqué que ce que j'appelle des petits gribouillis, sur le modèle des signes des orateurs. L'accent aigu, par exemple. Si vous regardez dans le dictionnaire, les syllabes accentuées sont indiquées avec une petite barre oblique allant du haut à droite vers le bas à gauche. L'accent aigu indique une note ou une mélodie plus élevée. L'accent grave est le contraire. Ça donnait deux combinaisons de signes. Ils ont ensuite inventé les petits gribouillis. C'était leur type de notation. Il n'y avait pas de portée. Le chef de chœur devait connaître parfaitement toutes les mélodies. Il n'y avait que ces signes qui lui indiquaient plus haut ici et plus bas là. Imaginez le nombre d'inexactitudes qu'il y a pu y avoir. Puis ils ont utilisé l'alphabet. Les lettres, le gamma, notre G, et A, B, C, D, E, F, permettaient d'apporter une précision aux intervalles. Mais c'était écrit sur une ligne droite. Il n'y avait pas de représentation graphique de ce qu'il fallait faire, mais au moins cela indiquait précisément le ton. Passons aux neumes originaux, ou ce que j'appelle les gribouillis.
Ils ont incorporé au 9e ou 10e siècle des abréviations, comme le C signifiant rapidement, le T signifiant lentement ou retard, etc. Ainsi que des lignes horizontales et verticales pour indiquer une sorte d'interprétation rythmique dans la notation même. Les anciens neumes constituaient un moyen expressif d'écrire les notes, mais imprécis pour le ton. Les lettres ont apporté cette précision. Ils ont fini par combiner les deux, gribouillis et lettres, donnant naissance à un type de notation dit bilingue. Ils ont enfin utilisé la portée. Une ligne d'abord, puis deux pour plus de précision, et pour finir, quatre. Quant aux notes carrées, que nous avons l'habitude de voir sur les portées, elles sont le résultat de l'évolution et ont fini par être utilisées dans le répertoire du chant grégorien. Grâce à elles, nous avons une notation précise et graphique, mais pas de signe d'interprétation. Ainsi, une notation est très expressive et l'autre est très précise. Macaro, un grand spécialiste de cette époque, a inventé l'ictus. Ictus est le mot latin signifiant coup. Macaro en a fait le moyen de diviser rythmiquement les notes en groupes de deux et trois battements. Le but n'était pas de mettre un battement au début de chaque groupe. Il s'agissait de diviser mentalement les notes pour les grouper et savoir où on en est. Il a aussi inventé une forme de direction qu'il a appelée chironomie. Ce mot vient du grec care, signifiant main, et nomos, connaissance. Car on a une idée de la mélodie grâce à la direction, au mouvement des mains. Elles sont comme emportées par une vague, le début, la montée, la descente, et puis la chute. La musique contemporaine fait généralement appel à la gamme majeure ou à la gamme mineure, élément d'un système de mode d'origine grecque. Le chant grégorien inclut également ces mêmes modes grecs anciens, les modes doriens, phrygiens, lydiens et mixolydiens. Puis d'autres systèmes d'organisation de notes furent créés et codifiés. La modalité dans la littérature sur le chant et la musique a toute une histoire derrière elle. Nous sommes par exemple habitués à deux modes dans notre musique, le majeur et le mineur, alors que le chant grégorien en compte plus de 8. Il existe toutes sortes de théories sur la modalité du grégorien. Je me rappelle de ce que disait un de mes professeurs de théorie musicale. Même pour la musique moderne, la musique naît d'abord, puis ensuite, la théorie sur cette musique. En d'autres mots, les compositeurs écrivent la musique et plus tard nous obtenons l'explication de leurs œuvres. Une fois la théorie établie, les compositeurs s'en servent pour travailler, mais à l'origine, la théorie vient après les compositions. C'est la même chose pour le chant grégorien. Il a été chanté pendant des siècles, sans aucune idée de ce qu'était la modalité, et maintenant, il existe tout un système d'enseignement de la modalité du chant. Nous utilisons normalement 8 modes, mais nous en sommes revenus au concept médiéval de 4 modes assemblés par 2.
Le premier et le deuxième, par exemple, ont une tonique commune, ainsi que le troisième et le quatrième, le cinquième et le sixième, le septième et le huitième. Ils sont assemblés par paires, suivant le concept original de la modalité. Un abbé italien, disparu maintenant, a écrit ceci sur la modalité du chant grégorien. Il existe 14 modes, moins 1, plus 2. Sa théorie sur la composition du chant grégorien est la suivante. Vous connaissez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, le solfège. Bon. Deux modes avec la tonique Ré, deux avec la tonique Mi, deux avec la tonique Fa, deux avec la tonique Sol. Cependant, le chant grégorien a sa tonique en La. Et vous avez un exemple de chant avec la tonique Si, du moins en partie. Et aussi des compositions avec la tonique en Do. Voilà pourquoi 14 moins 1 plus 2. Certains morceaux sont composés avec la tonique La, et ils ne correspondent à aucun autre mode. Nous les appelons chants exceptionnels. 14 moins 1 plus 2, voyez ? Cela explique tout ce qui a été écrit. Le chant grégorien connut une nouvelle évolution, l'apparition des tropes. Les moines se mirent à ajouter des paroles et des mélodies aux chants existants. Le trope le plus important est la séquence. Lorsqu'une syllabe s'est tirée sur plusieurs notes, par exemple, les moines rajoutèrent des mots pour combler cet espace. Avec le temps, cette technique se généralisa et entraîna même des excès. À cette époque, l'Église souhaitant conserver intacts les chants et les textes, le Vatican autorisa la création de 4 tropes uniquement. Dans ce même élan de création, les moines commencèrent à chanter plusieurs mélodies en même temps, et ce furent les débuts de la polyphonie. Vers 850 fut créée une nouvelle polyphonie, l'organum, dans laquelle une mélodie était chantée par-dessus l'ancien chant. Ces mélodies étaient une quarte, une quinte ou une octave au-dessus ou au-dessous de la note originale. L'Église s'est peut-être inspirée des chants populaires ou bien l'évolution s'est faite naturellement parce que plusieurs personnes de registres différents chantaient ensemble. Les sopranos, les altos, les ténors et les basses ont approximativement une quinte de différence. Ce style de chant est rare de nos jours. Mais c'était tout ce que leurs oreilles pouvaient supporter à l'époque. Le son d'une tierce ou d'une sixte était impie et impur. Tandis que la musique quotidienne a continué à évoluer dans le sens de la polyphonie, l'Église s'en est tenue au style de chant simple, et un écart irrémédiable s'est creusé entre les styles religieux et séculiers. Le chant grégorien a connu une grande décadence à cause de l'influence de la musique moderne. La polyphonie s'est imposée. La musique rythmée par les temps est venue perturber le grégorien, qui a fondamentalement un rythme libre. Ce n'est pas toujours 1-2, 1-2 ou 1-2-3. Le chant grégorien est généralement chanté en latin, langue officielle de l'Église catholique romaine. Mais le succès et la continuité des chants dépendent de leur acceptation dans les différents pays où l'Église catholique est implantée. Pour certains, chanter dans la langue du pays est essentiel pour la survie du chant grégorien.
La traduction des chants est difficile, car elle entraîne une perte par rapport aux versions originales en latin. Mais si les gens peuvent immédiatement comprendre le message dans leur langue, il ne faut pas oublier que le chant étant avant tout une prière chantée, la traduction est alors bénéfique pour tout le monde. Si le chant grégorien n'est pas traduit dans les langues parlées, il va disparaître. Plus personne ne l'utilisera. Aux États-Unis, peu de personnes le font. Certaines y sont opposées. Je chante parfois en anglais. Cela gêne les personnes qui ont un sens poétique, particulièrement les hymnes, parce qu'elles ne riment pas. Dans les textes latins des hymnes, il n'y a aucune volonté de rime. Ce n'était pas le style de l'époque. Mais bien sûr, il existait une métrique définie. Ce que fait Sœur Cécile, elle est très forte pour ça, et je l'aide pour la traduction, elle ne transpose pas exactement le latin, mais les idées selon la métrique latine. Il n'y a donc pas de décalage entre l'anglais et la musique des chants. Les pleins chants ont une très longue histoire derrière eux et ont presque failli disparaître. Le siècle dernier a vu naître un regain d'intérêt pour la beauté des mélodies anciennes et le désir de les préserver. Les partitions et les notations originales ont été prises comme référence pour les performances modernes et le chant grégorien est régulièrement chanté au cours de certaines messes, ainsi que 7 fois par jour dans divers monastères du monde entier. Récemment, les moines de Santo Domingo de Silos, en Espagne, ont vendu 3,5 millions d'exemplaires de leur disque intitulé « Chant grégorien ». Beaucoup de gens semblent apprécier ces mélodies nobles sans avoir besoin de comprendre les paroles. Les moines, hommes humbles détachés des besoins terrestres, se soucient peu du succès de leur disque. Ce ne sont pas des rockstars. Pour eux, le chant grégorien est avant tout une prière chantée. Lorsqu'on leur a offert une avance de 7,5 millions de dollars pour un autre disque, ils ont simplement fermé les portes de leur monastère. Avec le succès de ce disque et le regain d'intérêt du public pour le chant grégorien, beaucoup d'autres maisons de disques ont proposé leur version de ces mélodies célestes. Dans un enregistrement récent, commandé par la compagnie américaine Catel, figurent des versions de chants provenant d'une très grande variété de sources et d'époques, mais les arrangements restent fidèles aux manuscrits originaux. Nous nous rendons maintenant en Hongrie afin de rencontrer le chef de chœur et musicologue à l'origine de l'enregistrement pour discuter du passé, du présent et de l'avenir du chant grégorien ainsi que du chœur même et de sa méthode d'exécution. Le chant grégorien est à l'origine de la musique liturgique de l'Église latine. Il n'avait pas un objectif musical à proprement parler, mais il véhiculait aux fidèles les textes de la Bible et d'autres textes liturgiques. Il était donc chanté vers Pâques. Parce qu'il était fondé sur la parole de Dieu, le chant grégorien était appelé le serviteur de la parole. Bien sûr,
Son objectif et sa fonction ont changé au cours des siècles derniers. Les gens sont de plus en plus intéressés par les grandes époques de l'histoire de la musique, y compris les périodes les plus anciennes et particulièrement les anciens enregistrements de chants grégoriens. Les concerts de chants grégoriens montrent qu'en plus de sa fonction de musique liturgique, il a une fonction plus générale dans l'histoire de la musique. Of course, beside the ecclesiastical one. Malheureusement, le rôle de l'Église est en déclin. Je regrette cette tendance, mais elle existe. Mais en revanche, les gens restent attachés à la musique religieuse. Et peut-être que la partie musique mélodique et vocale, au sens premier du terme, a connu son apogée au cours du premier millénaire. C'est-à-dire avant l'an 1000. First millennium, that is before the year 1000, and perhaps the only. Et les seuls documents qui nous restent de cet âge d'or se trouvent dans les manuscrits de chants grégoriens. Is contained in the sources of the Gregorian chant. Où trouvez-vous les partitions de chants grégoriens? Quelles sont vos sources aujourd'hui et comment ont-ils survécu au fil des années? Nous chantons toujours les morceaux originaux. Nous les transcrivons nous-mêmes. Nous ne chantons généralement pas les versions modernes du chant grégorien. Au début, nous utilisions uniquement le chant de source hongroise avec les paroles chantées au XVe siècle. Mais nous avons ensuite utilisé de nombreux types différents de manuscrits provenant de toute l'Europe. Le chœur a été formé il y a 25 ans pour enregistrer des exemples d'histoire musicale grégorienne et hongroise, les chants du Moyen Âge. Il n'existait avant aucune version hongroise de chants grégoriens. Au départ, il n'était prévu que de faire un seul enregistrement. Le chant grégorien n'était pas aussi organisé et unifié que ce que peut le laisser croire le chant d'aujourd'hui. Il variait en fonction des régions et des traditions locales. Il est difficile de résumer en quelques mots ses particularités, mais il est intéressant de savoir qu'en Europe, le chant grégorien était chanté en deux langues différentes. La Hongrie entrait dans le cadre de la langue utilisée en Europe centrale, et dans ce cadre même, le chant grégorien hongrois a son propre répertoire, différent du répertoire qui faisait alors autorité.
Les ensembles grégoriens sont essentiellement composés d'hommes à cause de la vieille idée romantique que l'on se fait de vieux moines chantant ces chants dans la pénombre de leur monastère. Nous connaissons maintenant la vérité historique, plus moderne de pensée. Le chant grégorien était chanté dans des églises du monde entier et dans les cathédrales par des chœurs d'enfants. Nous avons des documents qui prouvent le rôle éminent des enfants dans l'exécution du chant grégorien. Et bien sûr, il était aussi chanté dans les petites églises de village par une classe de garçons et leur maître, par exemple. Il va sans dire que dans les couvents, les nonnes utilisaient exclusivement le chant grégorien pour leurs prières. Il est donc faux d'affirmer que les femmes ne peuvent pas le chanter. L'école souhaite présenter le chant grégorien dans toute sa richesse originale. Elle souhaite montrer cette richesse dans toutes les versions colorées qui existent. Elle possède un département pour les voix masculines, un pour les voix féminines et un pour les enfants. La musique médiévale traduit la manière de penser de l'époque. Les différentes tendances et orientations de la pensée mystique, politique, philosophique et théologique, sa structure et son influence dans le chant grégorien, la musique grégorienne et post-grégorienne du Moyen Âge. Pour l'Église catholique, le chant grégorien est l'apogée de tous les textes de musique sacrée. Elle souhaite que l'on se souvienne que le chant grégorien est par-dessus tout une prière chantée. C'est pour cette raison que les cérémonies religieuses et les actes de foi sont un moment idéal pour l'exécution de ces mélodies sans âge. Le public séculier, cependant, montre une certaine passion pour l'ancienneté et la richesse de ces chants médiévaux. Style de chant commun au Moyen Âge, le plein chant est désormais le réceptacle unique en son genre d'un message sacré. De ces temps de noirceur et de cruauté, il subsiste quelque chose de plus important que les chevaliers et les guerres saintes. Un héritage musical, le fondement de la musique contemporaine qui a tiré les leçons des anciens chants
et des constantes évolutions à travers les siècles. Il n'existe nulle part dans le monde d'œuvre musicale aussi ancienne, aussi vaste et pourtant aussi pure que le chant grégorien. La citation n'est pas fidèle, mais c'est à peu près l'idée. Au troisième congrès de musique sacrée qui s'est tenu à Paris en 1957, Joseph Sampson a dit en substance « Si entendre ou chanter du chant grégorien ne mène pas à une vie spirituelle plus intense, rien ne sert de chanter. Si la prière n'apporte pas d'aide, autant se taire. Si elle ne calme pas le tumulte intérieur, autant ne rien faire. Si elle n'a pas le même pouvoir que le silence qu'elle brise, place au silence. » Si le chant grégorien n'encourage pas le silence, il est inutile. C'est une pensée très profonde. Ce qu'il est essentiel de retenir, c'est qu'il s'agit d'une prière chantée.